Il est temps de retrouver celui qui a la même taille que Valbuena, mais pas le même salaire, Willy Rovelli. Oui, pas le même salaire. À 3 millions près, hein, c'est pareil. C'est rien. Ne chipotons pas, là. Mais là n'est pas le propos, Anne, car je dois vous le dire encore une fois ce matin. L'heure est grave. Oui, l'heure est grave, mes amis, vous en avez parlé, Anne. Cette semaine, le journal Libération a publié 4 nouvelles pages sur les dépenses soi-disant pharaoniques de la dernière campagne de Nicolas Sarkozy. Écoutez, j'ai regardé, je vois vraiment pas où est le problème. 116 000 euros d'écran géant dans un seul meeting. En même temps, il était dans des salles de 10 000 personnes, il fallait bien qu'on le voie. Moi, je joue dans des salles de 100 personnes. Évidemment, tu me mets juste une télé 32 cm, c'est bon, tu l'as l'écran géant. Mais lui, 10 000 personnes. Moi, je ne jouerai jamais dans une salle de 10 000 personnes. Bon, déjà, on ne me le demande pas. Et en plus, vu ma taille modeste, imagine le bazar. Du rang 1, rang 5, on me voit. Du rang 6, on rend 10, on m'aperçoit. Du rang 11, on rend 20, on me devine. Et au-delà du rang 20, on aurait l'impression d'écouter la radio. Alors, vous voyez, je ne peux pas. Alors, sinon, il y avait 3 400 euros pour un canapé lounge blanc. Oh, et alors ? Moi aussi, chez moi, j'ai un canapé où je m'allonge. 100% cuir de plastique. Chez Confo, l'autre, il m'a dit, vous verrez, c'est de la croûte de vachette, j'ai fait une allergie, les croûtes, c'est moi qui les ai eues. Hein. En même temps, j'ai une petite ristourne dessus. En arrivant dans la boutique, j'avais commencé à me défraquer, tu sais, pour coucher avec le vendeur. Il m'a dit, non, hey, c'est pas une promotion canapé, c'est une promotion sur les canapés. Hein. Dommage. Je suis vraiment prêt à tout. Tu peux refaire ce dommage. Ah, c'est vraiment... Dommage. Oh, pour avoir 30%, je suis capable de tout, moi. Mais que de problèmes stériles. 124 000 euros pour la sono. Alors des gens disent, ouais, c'est aussi cher que pour un concert des Stones. Mais Nicolas Sarkozy, c'est un concert des Stones. Je ne vous ai pas donné de satisfaction pendant ces 5 années. Mais c'est pas une raison de pas voter pour moi. De pas voter pour moi, allez, de pas voter pour moi. Ok, merci. Les Stones ou Dick Rivers? Les deux Stones. C'est Dick Stone. Non, moi j'ai regardé à la télé un meeting de Nicolas à Nice. Oh, c'était incroyable devant lui toute cette marée humaine. Oh, bah à Nice, en même temps, comme les femmes ont toutes les cheveux bleus, ça faisait vraiment une marée. Ça, je vais regarder le meeting sur BFM TV. BFM, toujours là pour les grands événements. Là, cette semaine, ils nous ont fait 4 jours sur la gastro de Varane. Alors, Lucie Marie, vous êtes devant les toilettes, comment va-t-il? Oh, Willy! Pas trop, comme vous l'entendez! Non! BFM non. TV, si! BFM TV, toujours un prout d'avance. Écoutez, chez vous, Anne, il y a dichotomie, chez moi, il y a prout. Voilà, écoutez, chacun son niveau. Est-ce que Shirley Pepe les proutes? Pas du tout, mais je peux le sentir. Toutes ces critiques, c'est ridicule. Nicolas a voulu faire des meetings à l'américaine. Bon, bah là, vu les finances de l'UMP, le prochain candidat fera plutôt des meetings à l'armoricaine. Ça sera plus modeste. Non, mais moi, je me souviens déjà des moyens, rien que j'avais dû dépenser, moi, pour être élu délégué de classe en 6e. Ah, je me souviens. À cette époque, je mesurais 1m64, comme aujourd'hui. Ah, j'avais une toute petite voix, comme aujourd'hui. Je me cherchais. Oui, bon. Puis la 6e, j'ai la même vie à la con, quoi. Bon, j'avais acheté mes électeurs avec des pots de vin, enfin des pots de carambar. J'avais même dû embrasser sur la bouche Vanessa Saunier pour qu'elle vote pour moi. Elle était moche en plus. Ses parents avaient électrifié son appareil dentaire pour pas que je l'embrasse, tu sais. Fais-moi un bisou, non. Putain, j'ai failli faire une Claude François hit aiguë, tu sais. Mais moi, j'ai été élue, moi. Et véridique, je vous jure que c'est vrai, tenez-vous bien. J'avais réussi à installer un dos d'âne devant le collège parce qu'il y avait plein d'accidents. Eh ouais. N'empêche, on peut dire ce qu'on veut des pédophiles, mais eux, au moins, ils ralentissent devant les écoles. Eh ouais. Alors, prenez des exemples sur eux, mince. Alors, pendant qu'à l'UMP, on fait ses comptes... T'imagines si une chaîne adverse est en train d'écouter l'émission pour voir à quoi ça ressemble? Eh bien, voilà, faudra plus s'étonner que le téléphone ne sonne pas. Alors, pendant qu'à l'UMP, on fait ses comptes, en face, on ne pavoise pas trop non plus, parce qu'à chaque mois, en voyant les chiffres effrayants du chômage, on se dit que même au PS, le compte n'y est pas. Cette semaine, on a encore appris que le chômage avait augmenté. La...